Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus. Radio Plus. Vous connaissez pas? Ah si, elle le dit. C'est qui? Ada. Qui l'a dit? Ada. Un billet pour Ada. Bravo. Ada Sol, viens. Madame, Ada Sol, un instant. Radio Plus, Radio Plus. C'était qui? Moi. Qui moi? Tu capitalises. Alors, un billet. Chevelu, contestataire, poétique avec un batteur africain qui s'appelait Ferdinand Kotecu. Non, que t'es cool, Et on avait emprunté ses instruments de percussion parce que lui, il n'avait pas ce qu'il fallait, il n'avait pas apporté de son Afrique natale tout son baratin. Donc on est allé emprunter ça au musée d'ethnographie et on a emprunté une dizaine de ces tam-tams. Ouais. Et on les a fait chauffer avec du feu chez moi pour en trouver un qui sonnait à peu près. Le ministre de la culture de l'époque qui s'appelait Marius Nul. Non, Marius Nul, pardon. Mais tout le monde le mettait à l'envers. Ça me broute un petit peu. Tu n'es pas le seul, je crois. Je ne suis pas le seul. Et mon Jean-Jacques Rousseau, c'est. Là, vous allez découvrir la vastitude de mon inculture. Mon Jean-Jacques Rousseau, c'est évidemment Rousseau et les femmes. Alors, j'aime beaucoup le Rousseau qui se fait fesser, qui découvre la poigne féminine, mais agréablement, d'ailleurs, il le gère bien. Il est le précurseur des DSK, en ce sens qu'il aime les femmes de ménage. Il parle quelque part de l'odeur du linge frais qui est extraordinaire. Mais les DSK ne les épousent pas, c'est la différence. Oui, et lui, ça réussit pas très bien. Radio Plus, Radio Plus. C'est elle qui a dit. C'est qui c'est qui, qu'est-ce qu'il vient de dire? Sibyl. Bon, on accepte Summer Night. Ah, c'est ça. Ok, ça marche. Ça marche pour une coupure. Ça risque. Allez, allons-y. Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus. Radio Plus. Fabien, allez, une coupure. Il va peut-être tirer plus d'un demi-heure. Un chêne vert d'or aussi. Vous verrez. C'est bien. Il y a une personne dans cette pièce qui va sauter en l'air en entendant. C'est extrait des archives secrètes, policières, bancaires. Un banquier connu reconnaît ses torts. Attention. Bon, j'ai regardé vos derniers décomptes, hein. 1% c'est usure et contrainte. C'est pas encore usure, mais étonne que monsieur de Montenac ne soit pas foutu de réagir. Il y a deux films américains qui commencent avec ce son. Lesquels? Ça, c'est une très bonne question. Le bon, la brute et truand. L'exorciste. Tom Cruise, Top Gun et Batman. Le retour de Batman. Non, bah oui, il l'a dit tout à l'heure. Dieu. Oui. Merci, Jacques. Alors, Buzo, c'est comment votre prénom? Josiane et Buzo vont se partager un billet. Mais attention, il va y avoir la clause de la nation la plus défavorisée. Je sens que ça va se retourner contre moi. Alors, où au stade où on en est, bon.